Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer avec 4 candidates ce matin pour cette émission. Julie et Lauriane pour commencer. Oh bah Julie et Lauriane, elles sont à la maison maintenant, hein, c'est leur 3e participation. Elles sont d'ailleurs passées assez proches de la super partie. On leur souhaite bonne chance. Elles seront opposées à Odile et Pauline, qui viennent toutes les deux d'Isère. Pauline est étudiante en 5e année de médecine. Odile est une ancienne institutrice, elle aime la marche dans la montagne. Pauline joue de l'accordéon, mesdames et messieurs. Bonne chance à toutes les quatre. Et pour présenter cette émission, c'est le roi de la musette. Il est connu dans la France entière pour ses danses endiablées, Thierry Beccaro. Une démonstration. Le roi de la musette ou le roi du musette? Parce que la musette, ça fait un peu... Le roi des balles musettes, quoi. Voilà, oui, parce que la musette, ça fait pas un peu coureur cycliste. C'est dans le Tourmalet, avec la musette sur le côté. Non, le roi des balles musettes. Bah oui. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, ça tourne, plus ou moins bien. Pas mal, non? C'était Michel Sardou. Quelle date? Là, ça m'échappe un peu. 72, un truc comme ça, j'imagine. Hein. Vous allez bien, Lauriane? Oui, très bien, merci. Déjà, bon, j'ai fait déjà une petite chanson pour vous encourager. Mmh. Lauriane et Julie qui viennent de Valence. Et on va vous représenter, Lauriane, pour savoir ce que vous faites dans la vie. Je suis commerciale, je propose des jouets en bois aux crèches et aux écoles. Et vous, Julie, vous travaillez dans le tissu? Réfléchissant. Alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'un tissu réfléchissant? Ça réfléchit la lumière. D'accord, donc il y a des tissus particuliers, on les installe quoi, dans un salon, dans une... Non, c'est placé soit en bande, soit par exemple sur les gilets de sécurité, ou alors en bande sur des vêtements de sport. D'accord. Les fameux gilets obligatoires que l'on doit enfiler et qui nous vont très très bien, oui. Parfois, quand ça arrive. Mais comme ça, on nous voit de loin, voilà. Avec le triangle... qui signale que nous sommes dans la difficulté sur le bord de la route. Voilà, j'ai compris maintenant. Merci, Julie. Pauline, bonjour. Bonjour. Vous arrivez d'où, Pauline? De Grenoble. De Grenoble. Alors, vous êtes... Votre métier est... Étudiante en médecine. Étudiante. Et à côté de ça? Je fais un petit peu de musique, un petit peu de sport. Bah, de l'accordéon? Oui. Donc, vous êtes venu avec votre instrument, parce que maintenant, l'autre jour, on a accueilli... Emmanuel et Romain. Ils avaient la guitare, la trompette. Ils jouaient bien. Et bientôt, on accueille un orchestre symphonique. Donc, vous n'avez pas l'accordéon avec vous? Ben non. Et vous faites les balles? Vous jouez régulièrement? J'en fais plus beaucoup à Pourquoi? Cause de mes études, justement. Ah oui, c'est ça. Ouais. De temps en temps, quand même. Oui, voilà, pour se faire plaisir. Parce que là, avec votre passage dans Motus, on va vous réclamer. Hein. Ah, il faudra répondre présente. Hein. On va essayer. Merci d'être avec nous, Pauline. Bonjour. Merci. Odile. Bonjour. Vous êtes notre marcheuse. Oui, marcheuse, tranquille. Les balades. Oui, les balades, voilà, ça, les balades, tranquille. Le chemin de grande randonnée et tout ça. Voilà. Bon, vous connaissez la maison? Je suis déjà venue une fois. Bon, eh ben voici les grilles pour commencer ou recommencer cette belle aventure. Et voici une grille pour Julie et Lauriane. Et alors, à la tirelire, à la cagnotte, monsieur Tom. Tom qui vous propose aujourd'hui 3000 euros à gagner, Thierry. Et avec Time No Time de Goliath, tout le monde s'éclate. On peut relever des défis et exécuter de drôles de gages. Explosion de rire garantie. Super. Bon. Odile, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous aviez le choix entre des mots de 7, 8, 9 ou 10 lettres? 9 lettres. 9 lettres. Nous commençons tout de suite. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à jouer. Voici la lettre B. Baudroies. B-A-U-D-R-O-I-E-S. Blondinet. B-L-O-N-D-I-N-E-T. Bourgeois.
B-O-U-R-G-E-O-I-S. Et ben voilà, c'est fait, Odile. Vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. 61. Pauline. Ben voilà, dès le début de la partie. Ben vous nettoyez comme ça, ça fait un peu de déménagement, ça fait une boule noire de moins et c'est Julie qui prend le relais. Voici Julie, la lettre H. Où c'est H-O-U-2-S-A-I-E-S. Hydromel, H-Y-D-R-O-M-E-L-S. Grande consommatrice hein, d'hydromel. Herbivore, H-E-R-B-I-V-O-R-E. Harmonica, H-A-R-M-O-N-I-C-A. Harmonie, H-A-R-M-O-N-I-E-S. Harmonium, H-A-R-M-O-N-I-U-M. Alors. Ça ne tient pas la même place que l'harmonica. Que l'harmonica. Si vous voulez le faire avec l'harmonium, ça va être compliqué. Hein, c'est bien inversé, ça. Bon, alors, on va passer à autre chose tout de suite. Julie, vous mélangez. Harmonium. 32. J'ai compris. Ouais, le film Il était une fois dans l'Ouest n'aurait pas été le même. Non, c'est vrai. Allons-y, Lauriane. 26. Et tout ça dans le désert, juste avant le duel. Bonjour. C'est à Julie de jouer avec la lettre P. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E-S. Pétrifié, P-E-T-R-I-F-I-E-S. Perfusion, P-E-R-F-U-S-I-O-N. Julie. 3 en 3 émissions, ouais. C'est la première boule noire. Bah, vous avez été gâtée. Alors qu'Odile n'a pas eu la même chance que vous. Odile, nous cherchons un nouveau mot, commençant par la lettre I. Inavoué. I-N-A-V-O-U-E-E-S. Irritante. I-R-R-I-T-A-N-T-E. Italienne, I-T-A-L-I-E-2-N-E. Impossible, I-M-P-O-S-S-I-B-L. A tout à l'heure, Pauline. Julie, voici la lettre G. Ignorance, I-G-N-O-R-A-N-C-E. Illégal, I-L-L-E-G-A-L-E-S. Ignominie, I-G-N-O-M-I-N-I-E. Et Odile, elle avait trouvé le mot et quand elle a entendu, elle a fait... Ah ! Ignominie, bien joué, 50 points de plus. Julie, allez-y pour le mélange. 16. Le 16. Lauriane. 44. 150 à 50 pour vous, Lauriane. Et voici la lettre F. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Flambage, F-L-A-M-B-A-G-E-S. Fran-
franchise, F-R-A-N-C-H-I-S-E. Fossiliser, F-O-2-S-I-L-I-S-E-R. Alors Odile, vous allez en profiter, j'espère. Voici pour vous aider le I. Française, F-R-A-N-C-I-S-E. Foisonner, F-O-I-S-O-N-N-E-R. C'est le verbe qui vous surprend un peu, Pauline ? Un petit peu. Oui, mais ça me va. On vous donnera l'explication dans un instant. Juste le temps de mélanger, Pauline. Cinquante-trois. Odile ? 5. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent à foison. Bah c'est ça, Thierry, c'est simplement le verbe. C'est l'équivalent d'abonder, si vous voulez. C'est le synonyme d'abonder. Le gibier foisonne dans telle et telle forêt, par exemple. C'est pas mal, hein ? Il est bien. Merci, Thierry. C'est à Odile de jouer avec la lettre T. Ça vous permettra d'égaliser. Tirailler. T-I-R-A-I-2-L-E-R. Touchante, T-O-U-C-H-A-N-T-E. Traduite, T-R-A-D-U-I-T-E-S. Travailler, T-R-A-V-A-I-L-L-E. Transposer, T-R-A-N-S-P-O-S-E. Transport, T-R-A-N-S-P-O-R-T. Eh bien voilà, Pauline, bravo. Je vous laisse mélanger. Pauline, si vous prenez le 21, vous marquez 100 points. Le 35. Odile. 23. Alors nous continuons, Odile. Nous cherchons un mot de 9 lettres. Qui commencera par un L. Louanger, L-O-U-A-N-G-E-E-S. Littéral, L-I-T-T-E-R-A-L-E. Lituanien, L-I-T-U-A-N-I-E-N. Lionceau, L-I-O-N-C-E-A-U-X. Pauline, le 21, et je crois que c'est le seul numéro qui nous intéresse pour l'instant. Monsieur, c'est pas possible. Bon, il n'y en a plus qu'une, après vous serez tranquille. C'est vous qui menez pour l'instant, Odile, Pauline, 200 à 150. À vous jouer, Julie. Malouine, M-A-L-O-U-I-N-E-S. Moutarde, M-O-U-T-A-R-D-E-S. Milicien, M-I-L-I-C-I-E-N-S. Mécanisme, M-E-C-A-N-I-S-M-E. Mortifié, M-O-R-T-I-F-I-E-R. Pas mal, ça. Pas mal, bravo. Bien joué, Julie. Ah, c'est une belle, belle première partie. Au coude à coude, 200 à 200. Julie, vous mélangez. Y a-t-il un numéro qui nous intéresse ? 56. Je n'en vois guère pour l'instant. Non. Allez-y, Lauriane. Fichtre. Ouais. Vous voyez, ces petits mots-là, ça coûte rien. Pas le sang bleu, diantre. Odile. Oula, quoi. Thierry, ce sera déjà le dernier mot.
Ah, il ne faut pas le laisser passer. Celui-là, il rapporte 100 points et rapporte une place en super partie. Odile. Soudaines. S-O-U-D-A-I-N-E-S. Serviette. S-E-R-V-I-E-T-T-E. Saladier. S-A-L-A-D-I-E-R-S. Séquestré, S-E-Q-U-E-S-T-R-E. Eh ben voilà. Eh ben on va applaudir nos quatre candidates, c'était bien, hein, c'était une belle partie. Ça avait mal commencé pour Pauline, qui était tombée tout de suite sur la boule noire, hein, c'est ça? Ouais. Et vous êtes bien rattrapée, il y a deux boules noires pour Lauriane et Julie, elles ne connaissaient pas ça jusqu'à présent. En tout cas, c'était un plaisir de jouer avec vous et c'est un plaisir de vous récompenser. Regardez. Julie et Lauriane avant Quest Software vous offrent des logiciels pour apprendre l'anglais et vous amuser en famille. Ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Non, il n'y a rien à dire. Vous avez été formidable pendant 3 jours. C'était un plaisir. Si vous voulez saluer la famille, les amis, Julie, n'hésitez pas. Alors, je vais saluer mon mari Cédric, mes deux enfants Tim et Evan, la famille, la belle famille, mes collègues de boulot, mamie en particulier. Et puis voilà. Ça, ça a été travaillé, ça. Vous dites tout de suite que la liste, pas besoin de la sortir. Fallait pas oublier quelqu'un. Lauriane. Alors, pareil, ma famille, belle famille, mes parents, mon mari et mes deux enfants, Jules et Janelle. Voilà. Et mes collègues de la chorale aussi, j'en profite. Vous faites partie d'une chorale. Oui. C'est très en vogue en ce moment. Ouais. Et ça marche bien, vous vous baladez un peu partout région. Oui. Dromardèche, c'est super. Et quel type de répertoire? C'est du chant contemporain. Du chant contemporain. Très bien. Lauriane, ça a été un plaisir. Merci. Julie, à bientôt. Pour rester avec nous pour la super partie, il y a 3000 euros à gagner aujourd'hui. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le vendredi 16 décembre à Vannes et le samedi 17 à Nantes. Alors n'hésitez pas à composer à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. Nous sommes de retour pour la super partie. Nous évoquons la somme à gagner avec Odile et Pauline. Elles se disent toutes les deux que ce serait pas mal de gagner 3000 euros, voire même plus avec le 11e mot qui rapporte 1000 euros lui aussi. Vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres, Pauline, Odile. Je vous souhaite bonne chance. Et c'est parti. Baudroie, B-A-U-D-R-O-I-E-S. Brigadier, B-R-I-G-A-D-I-E-R. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Farineuse, F-A-R-I-N-E-U-S-E. Flatteuse, F-L-A-D-T-E-U-S-E. Tiraillé, T-I-R-A-I-2-L-E-R. Touchante, T-O-U-C-H-A-N-T-E. Tarabusté, T-A-R-A-B-U-S-T-E. Quinzaine, Q-U-I-N-Z-A-I-N-E. Quantité, Q-U-A-N-T-I-T-E-S. Quenote, Q-U-E-N-O-T-E-S. Y-G-O-U-A-I-L-L-E-S. Gargarisé, G-A-R-G-A-R-I-S-E. Grammaire, G-R-A-2-M-A-I-R-E. Quelque chose grave. Glacière, G-L-A-C-I-E-R-E-S. Je sais pas du tout.
Géographe, G-E-O-G-R-A-P-H-E. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E-S. Vertical, V-E-R-T-I-C-A-L-E. Vitrifié, V-I-T-R-I-F-I-E-R. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E-S. Préféré, P-R-E-F-E-R-2-E-S. Pondérant, P-O-N-D-E-R-A-N-T. Pondéral, P-O-N-D-E-R-A-L-E. Coudré, C-O-U-D-R-A-I-E-S. Chamoisé, C-H-A-M-O-I-S-E-R. Chahuteur, C-H-H... C-H-A-H-U-T-E-U-R. Chahuteur. Très bien. Allez, encore deux mots. Aoutienne, A-O-U-T-I-E-N-N-E. Accession, A-2-C-E-2-S-I-O-N. Très beau, ça. 1 minute 10 pour le dernier. Motivante, M-O-T-I-V-A-N-T-E. Motivante, M-O-T-I-V-A-N-T-E. Elle est pas trop vite, hein. Eh ben voilà. Je sais pas pourquoi je le sentais. Je sais pas qu'on en parlait avant le début de la super partie. Nous, on le sentait pas, mais... Eh ben, le résultat est là. Vous venez de gagner 3000 euros. Wow, merci. Je vous ai pas parlé du 11e mot. Eh ben, vous allez nous en parler maintenant. Oui, qui rapporte... Si, je vous ai parlé tout à l'heure du 11e mot. Revoyons la scène. Il y a 57 secondes pour vous. C'est bien. Pour vous permettre de trouver ce 11e mot et de gagner 1000 euros supplémentaires. On y va ? On va essayer. Allez, le voici, le 11e mot. Opération. O-P-E-R-A-T-I-O-N. Ossature. O-2-S-A-T-U-R-E-S. Ouralien. O-U-R-A-L-I-E-N-S. Oreiller, O-R-E-I-2-L-E-R-S. Oasienne, O-A-S-I-E-2-N-E-S. Qu'est-ce que c'est que cette lettre-là ? Faut y penser. Œsophage, O-E-S-O-P-H-A-G-E. Elle y a pensé, Thierry. Il a dit qu'il faut y penser, donc j'y ai pensé. Mais je vous ai vu scruter la grille, mais c'est vrai que vous n'étiez pas parti dans la bonne direction. Pas du tout. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de haine et pas beaucoup d'amour. C'est plein. Tout plein. Ah, avec 4000 euros, c'est pas mal. En tout cas, vous avez été formidable, Odile, Pauline. Ça va vous donner un petit coup de main là, pour les études, entre autres. Hein, Pauline, vous avez quelqu'un à saluer en particulier ? Si. Ah, c'est les 4000 euros qui viennent de tomber. Vous êtes sûr, vous les avez en poche, là, c'est bon. Là, je suis oubliée, attention. Bah, tout le monde. S'il faut que je fasse une liste ? Non, mais ça n'a pas été préparé, je le sens bien, c'est l'émotion, c'est ça. Bah, la famille, Yannick et sa famille, Cécilia et sa famille, les amis, les collègues. Reprenez l'accordéon. Oui. Et des collègues de musique que j'ai pas eu depuis longtemps. Ben oui, parce que là, ils vous attendent et ils vous regrettent. Que Pauline joue de l'accordéon, voilà. Odile. Alors moi, j'ai fait un petit coucou à Marie-Eliane, avec qui j'étais venue jouer la dernière fois, parce que je ne l'ai pas revue depuis. Et puis, un bisou à toute ma famille, que je vais pouvoir gâter pour les anniversaires et pour les Noël qui arrivent, et tous les anniversaires qui sont en novembre, décembre dans la famille. Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Odile. Bravo, Pauline. Ben, je vous dis à très, très bientôt, et je vous souhaite de prendre la place un jour de Pauline et d'Odile. Vous serez les bienvenus. Bonne journée, merci. Merci.